Dans le cadre de la semaine de la fête de la lecture lancée 5 mars dernier, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, a organisé dans l'après-midi du mercredi à la bibliothèque du CDC d'Addis Abeba une conférence débat sur la thématique de littérature et oralité animée par l'auteur Abdelkader Omar Maki, auteur du livre donc Irao. Eh bien, en préparant cette conférence, le conseiller technique du MENFAP, l'inspecteur par intérim de l'éducation nationale de la région, la sous-directrice régionale du ministère de la Jeunesse et de la Culture, devant un parterre composé d'étudiants, d'élèves, collégiens et lycéens, des parents, des professeurs et des amoureux du livre qui ont tour à tour échangé sur le lien et convergence entre la littérature écrite et la littérature orale sur la création littéraire et la préservation du patrimoine culturel. D'autre part, l'auteur Abdelkader Omar Maki a encouragé les participants, surtout la jeunesse, à se familiariser avec le livre et la culture de la lecture. Lecture veut dire écrire aussi. Et quand tu écris, tu dois respecter certaines choses. Le sujet, le verbe et le complément. Et tout ceci, ça se découvre dans la lecture. Dans la lecture, tu vas pouvoir écrire un jour, comme eux, comme un écrivain. Mais vous avez besoin de vous exprimer comme il faut. Comme vous le savez, c'est la troisième édition de la fête de lecture. Et pour cette troisième édition, j'ai demandé à être avec les élèves de la ville de Aska, de Addis Abeba. Pourquoi ? Parce que j'ai entendu que ce sont de jeunes lycéens et collégiens qui sont très très intéressés par la lecture.